Le Mac a un problème. C'est de loin ma plateforme favorite. Elle offre des possibilités infinies, elle est stable, elle tourne sur des machines inspirantes, mais il faut avouer que comparé à VisionOS, iPadOS et même à iOS, macOS manque cruellement de touches de fun, ou même juste de modernité. Mais aujourd'hui je suis content, parce que j'ai une sélection d'applications qui ont donné un sacré coup de frais à mon MacBook Pro, et j'aimerais la partager avec vous. Vous regardez Nitech, c'est Thomas, et voici mes nouvelles applications pour redécouvrir votre Mac. Tout de suite après un mot de notre sponsor, Inconi. Inconi, c'est les protecteurs de vos données et de votre vie privée. L'idée d'Inconi, c'est... Vous savez, tous ces appels de démarchage où vous en recevez 3-4 par jour, tous ces emails publicitaires un peu douteux, si vous les recevez, c'est parce que vos coordonnées ont fini sur les listes de data brokers, des entreprises qui constituent des bases de données à l'arrache et qui les revendent au plus offrant. Et autant, bon, le démarchage commercial, c'est mignon, autant l'usurpation d'identité, les tentatives de phishing, de piratage, d'escroquerie en tout genre, ça l'est moins. Mais avec Inconi, c'est terminé. Tu t'inscris sur leur plateforme et ils vont faire toutes les démarches en ton nom pour s'assurer que toutes tes coordonnées soient supprimées des bases des data brokers. Le tout en continu d'ailleurs. Si on t'ajoute à nouveau dans une base, Inconi le repère et reprend les démarches. Personnellement, ça fait 2 ans que j'utilise le service et j'ai été supprimé des listes de 110 data brokers, des entreprises que je connaissais pas du tout et qui avaient mes données. C'est un service simple et sain qui vient avec une offre solide de moins 60% si vous utilisez mon lien en description ou si vous utilisez mon code Nitech. Je suis content de toujours collaborer avec eux, merci Inconi, et on revient à la vidéo. On commence avec un point qui représente bien ce fameux manque de modernité de macOS, avec Apple Music. Sur Mac, bon ok, hein, visuellement c'est simple, ça fait le travail, mais ça manque cruellement d'animation, et qu'est-ce que ça bug sans arrêt. Tout est long à charger, tout le temps, ça manque de fluidité, le choix des périphériques d'écoute est sans arrêt capricieux, bof. C'est là qu'intervient Cider. Il s'agit d'un client alternatif pour Apple Music, disponible sur Windows et sur Mac. Au menu, une interface entièrement revue, avec gestion des pochettes d'albums dynamiques, avec le fameux mode Coverflow des premiers iPods là, avec le magnifique écran de lecture d'iPadOS, avec gestion des paroles dynamiques, seule ombre au tableau, pas de Dolby Atmos ou de Lossless ici, j'imagine qu'Apple verrouille ça. Mais derrière, tout est plus fluide et plus élégant avec Cider, et en prime, son fonctionnement est entièrement personnalisable, avec une foultitude d'options dans ses réglages. C'est Apple Music tel qu'il devrait être sur Mac. Personnellement, j'adore Apple Music, le fait que c'est un service de streaming qui reste concentré sur la musique, justement, et avec Cider, j'en profite encore davantage. Justement, dans la lignée des applications qu'Apple aurait dû faire, vous savez, tous les MacBooks récents arrivent avec une encoche qui sert pas à grand chose dans l'absolu, et c'est là qu'arrive Notch Nook. Il s'agit d'un petit utilitaire qui apporte la Dynamic Island de l'iPhone et l'adapte à l'encoche du Mac. Au menu, des animations juste délicieuses, vraiment, surtout sur l'écran mini LED des MacBook Pro avec ses noirs absolus. Le contrôle de vos médias, ainsi qu'un aperçu en continu de ce qui est en train de se jouer. Un affichage du calendrier et des prochains événements. Très pratique sur Mac quand t'es au bureau. Un concentrateur pour les raccourcis. Pratique. Des raccourcis pour accéder à tes fichiers récurrents. Pas mal. Et même un petit miroir qui utilise la webcam. Pourquoi pas. Au-delà de la fonction, c'est une superbe façon de faire de l'utile avec le simple élément de style qu'est le notch sur Mac. Comme Dynamic Island sur l'iPhone finalement. C'est pas incroyablement utile face au centre de contrôle, mais c'est intuitif, ça fait plaisir à voir, c'est fun, ça fait du bien. Maintenant, un problème qui n'est pas propre au Mac mais à toute l'industrie créative, c'est la dépendance à Adobe et à son abonnement hors de prix pour Photoshop, Illustrator et compagnie. Heureusement, il y a une alternative avec Affinity. Personnellement, j'utilise pas mal Affinity Photo, l'alternative à Photoshop. En plus de calquer la plupart des fonctions de Photoshop, c'est un outil juste bien pensé en fait. Toutes les fonctions d'Affinity Photo sont réparties entre 5 personas, 5 interfaces à utiliser en fonction de ce que tu veux faire. Le persona développement, c'est pour développer tes fichiers RAW. Le persona photo, c'est pour les outils de retouche classiques d'un Photoshop-like. Le persona liquify, c'est pour appliquer des déformations aux formes et aux objets. Le persona de mappage
nuages de tons, c'est pour créer des images composites en HDR. Et le persona d'export, c'est pour toutes les options pour partager tes projets. C'est smart, je trouve. Comparé à un Photoshop qui est vraiment une usine à gaz avec des options et des sous-options partout, ici, t'es jamais vraiment perdu. T'es dans une interface familière avec la plupart des fonctionnalités d'un Photoshop-like, à l'exception des fonctions d'IA, évidemment. Et derrière, Affinity, c'est un modèle économique propre. T'achètes le logiciel une fois et t'es bon. C'est cool. Perso, je m'y suis remis parce qu'en ce moment, ils font 6 mois d'essais gratuits pour convaincre les gens de switcher. Si jamais vous voulez vous débarrasser d'Adobe, c'est le moment. Un peu moins une application qu'une fonctionnalité du Mac maintenant. Est-ce que vous connaissez les Progressive Web Apps ? Via Safari, on peut ajouter un site internet comme une application dans le dock et le launcher. Il devient alors une web app avec une interface adaptée. Instagram, hop, disponible sur Mac. Threads, boum, ta timeline est disponible. Pareil pour X, évidemment. Ça fonctionne aussi avec les chatbots. Gemini est une web app. Perplexity, pour toutes les questions que tu te poses. Et Claude, surtout, mon IA préféré, avec une attention particulière portée à la qualité des réponses. Je vous fais pas tout le listing, mais ça permet de retrouver en partie l'expérience d'un iPhone ou d'un iPad avec une application par service. Et rien que pour Insta, franchement, c'est cool. En parlant de Safari, face aux navigateurs de nouvelle génération qui sont beaucoup représentés par Arc, avec son interface plein écran et ses animations magnifiques, eh ben, il faut avouer que c'est un petit peu plat. Le problème, c'est que Arc est basé sur Chromium, la technologie de Google, ce qui est pas fou pour l'autonomie sur Mac. Et c'est là qu'intervient SigmaOS. Il s'agit d'un navigateur pensé avant tout pour l'écosystème Apple, qui repose sur WebKit, et qui offre une interface ultra épurée. C'est élégant, rapide, en accord avec les codes de macOS tout en étant résolument plus moderne que Safari, et surtout, c'est bourré d'intelligence. On accède à ces onglets en faisant commande flèche gauche pour accéder à l'onglet de navigation latérale, ou droite pour accéder à l'IA. Les animations sont super satisfaisantes, et l'idée d'avoir des groupes d'onglets qu'on coche comme une to-do list une fois qu'on a fini de les consulter, là, c'est malin. Côté IA, SigmaOS intègre une intelligence baptisée Iris pour obtenir des explications ou un résumé du contenu d'une page. Classique, mais pratique. Ça fait quelques mois que je l'utilise sur mon Mac du taf, je crois que je l'avais mentionné une fois ou deux sur la chaîne, et c'est vraiment un plaisir pour redécouvrir un petit peu votre façon de naviguer. Je vous ai pas mal parlé de lancer des jeux Windows sur Mac, mais jusque-là, il fallait des outils payants pour le faire. J'ai mieux pour vous aujourd'hui, avec Whisky. Whisky, c'est un outil qui intègre la technologie du Game Porting Toolkit d'Apple pour permettre de lancer gratuitement vos jeux Windows sur Mac. C'est simple. Tu veux lancer un logiciel Windows, tu télécharges son .exe, comme tu le ferais sur Windows, tu crées un environnement Whisky, tu importes le .exe, et voilà, t'as Steam sur ton Mac, et tu peux tester toute ta bibliothèque. Mes favoris fonctionnent, Skyrim, Fallout 4, c'est un peu moins optimisé et intuitif que Crossover, qui est payant, mais l'expérience est là. C'est fou qu'une telle technologie soit gratuite, pas de raison de se priver pour le coup. Et voilà, ces applications m'ont aidé à rendre mon Mac plus sympathique, à mieux me distraire, mieux naviguer, juste mieux l'utiliser, et j'espère qu'au moins une vous aura tapé dans l'œil.